Alors, le caractère graveleux de 4chan, j'y ai pas été confrontée tout de suite, tout simplement parce que j'ai pas fréquenté Bi. Donc Bi qui est le forum, le board random de 4chan, qui est celui qui est le board de 4chan où il y a le plus de choses, on va dire, dégueulasses, le porno, les trucs un peu gore. Moi, j'ai commencé par fréquenter des blue boards. Donc les blue boards sur 4chan, c'est les boards qui sont autorisés au moins de 18 ans, ou en tout cas qui n'ont pas de contenu choquant. Donc je suis allée sur des boards consacrés aux animés, consacrés aux mangas, consacrés aux comics. Du coup, il n'y a rien qui m'a choqué sur 4chan au début. Ou alors je n'étais peut-être pas capable de m'en rendre compte, ou mon anglais n'était pas assez bon pour le comprendre. Du coup, ça ne m'a pas repoussée. À partir du moment où j'ai commencé à découvrir ce côté un peu dégueu de 4chan, et j'étais déjà dessus, je m'y étais déjà habituée, donc j'ai un peu pris ça comme quelque chose de nécessaire à la vie de 4chan, mais que j'avais pas à fréquenter. Donc j'ai continué. Alors l'histoire de 4chan avec les médias est assez compliquée. Ça a commencé, je pense, je pense que 4chan a vraiment attiré l'attention avec le mouvement des Anonymous, qui est né sur 4chan, mais qui a très très vite dépassé 4chan. En gros, les Anon ont commencé à se rencontrer sur Bi, et ensuite sont partis sur IRC et sont pas tous liés à 4chan. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des articles, des vidéos en disant 4chan se repère de dangereux terroristes, se repère... Bah voilà, on a eu des journalistes qui connaissaient pas trop Internet, qui sont arrivés sur 4chan, qui sont tombés sur Bi, évidemment, ils ont été accueillis par du gore, par du porno. Je peux pas leur en vouloir, moi je comprends qu'ils aient pas apprécié le site. Ouais, je pense qu'il y a des internautes qui aimeraient bien que 4chan reste leur petit truc. Ils n'apprécient pas le fait qu'il y ait 25 millions d'utilisateurs. Il y a beaucoup d'Anon qui disent bah, 4chan c'était mieux avant. Et ça se dit souvent sur Internet, hein, mais sur 4chan encore plus, que c'est un site qui est tellement compliqué à comprendre que le fait que la culture 4chan soit devenue la culture web en un sens, moi je trouve ça super, mais il y en a qui trouvent ça nul. Parce que c'est plus à nous, c'est à tout le monde, c'est à Internet. Et c'est pour ça que je pense que 4chan est vraiment nécessaire au web, et c'est l'opinion de Moot, et c'est l'opinion des 25 millions d'utilisateurs qui vont sur 4chan tous les mois. C'est que sur 4chan, on n'est plus une personne, on est ce qu'on dit, on est nos blagues, on est parfois nos trucs dégueulasses, on est notre porno, on est nos hobbies. Et c'est ça qui a permis la force créative de 4chan. 4chan, c'est des tonnes de mèmes, 4chan, c'est aussi des campagnes de harcèlement, mais ça peut être aussi des œuvres culturelles qui se sont créées collectivement sur 4chan, c'est des amis qui se sont rencontrés, c'est... Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sur Facebook.